Alors, pourquoi le futsal au lycée de Varignac? Pourquoi? Bah parce que c'est une activité attractive. Il y a déjà, historiquement, il y a une pratique historique depuis plusieurs années d'élèves du lycée qui pratiquaient cette activité. Et cette année, donc pour l'année 2014-2015 scolaire, le lycée a décidé d'ouvrir, a eu l'accord pour ouvrir une section sportive de futsal. Une section qui demande un certain niveau et un niveau qualitatif de la part des élèves. Voilà, donc ça a été lancé cette année. Et l'année dernière, c'était une pratique dans le cadre de l'association sportive. Et cette année, les exigences sont montées par le fait que ça soit une section. Donc il y avait une petite sélection en début d'année. Voilà, on a sélectionné un peu plus de 20 élèves. Et c'était ouvert aux garçons, aux filles. Alors les objectifs, déjà, là, quand on démarre une section, c'est déjà évidemment de la pérenniser. Parce que rien n'est gagné d'avance. Hein. Donc on a les moyens financiers, on a les moyens, alors je ne sais pas, dit aussi, mais c'est vrai que pour la faire fonctionner aussi, il faut avoir des salles mises à disposition, il faut aussi que ça rentre dans des créneaux. Voilà. Tout ça a été défini en début d'année. Voilà, donc et puis ben, faut faire en sorte que, à nous de faire en sorte, les enseignants aussi ont un rôle important hein, pour la dynamiser, pour faire progresser les élèves, puis faire progresser, donner envie de continuer. Donc voilà, et puis le but du jeu à l'arrivée, c'est d'avoir de notre côté hein, voilà, des élèves ben, qui ne s'ennuient pas au lycée, qui puissent pratiquer une activité pour laquelle ils ont quelques talents et des envies. Et puis que ça, après, je peux faire le lien aussi entre le lycée et l'extérieur, parce qu'une section, c'est ça. C'est en progressant grâce au lycée, c'est aussi une façon de progresser pour soi et que ça ait aussi des répercussions au niveau des clubs. Alors, bon, en commission, on a décidé de trois critères. Les trois critères, il y a trois critères qu'on prend en compte pour juger au fil des mois, des séances, les élèves. Donc, la partie sportive, bien sûr. À l'arrivée, il va y avoir une note qui entre dans le bulletin. Qui entre dans le bulletin. En complément, donc avec un petit coefficient, hein, voilà, c'est un peu comme une option, un peu, mais bon, qui ne rentrera pas pour l'examen par contre, partie sportive, où il faut un certain niveau qui est.